Shalom, shalom à toi, bien-aimé de Dieu. Shalom à toi, serviteur et servante de Dieu. Shalom à toi, enfant de Dieu. Nous bénissons notre Père encore qui a bien voulu nous donner la vie en ce matin. Il a encore bien voulu nous réunir en ce matin au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous démarrons cette journée avec notre Père, ce Père qui nous a tant aimés. Ce Père qui a donné son Fils pour le rachat de l'humanité tout entière. Bien-aimés, toujours dans cette joie de Pâques, dans cette joie immense de Pâques, parce qu'en réalité, la Bible dit que si le Fils vous a libéré, c'est pour que vous soyez réellement libre. Alors je te supplie que personne ne te condamne. Jésus, à Golgotha, t'a libéré. C'est fini. Entre dans cette libération, entre dans cette résurrection que le Dieu, que ton Seigneur t'a donnée. Que personne ne te condamne. Que personne ne te condamne. La Bible dit que l'accusateur de nos frères est rejeté parce qu'ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Alors, lève-toi là où tu es et danse de joie, bien-aimé. La joie et la paix est ton partage. Je te le dis encore, la joie et la paix est ton partage. Parce que le châtiment même qui te donne cette paix est tombé sur Jésus. Tu dois être dans la paix. Tu dois être dans la paix. C'est ton partage. C'est ce que le Seigneur t'a donné. Quand il est apparu à ses apôtres, il leur a dit, la paix soit avec vous. Alors bien-aimé, que la paix t'envahisse. Que la paix envahisse ta famille. Que la paix envahisse ton lieu de travail. Que la paix envahisse tous les domaines de ta vie. Que la paix soit ton partage. Et que tu puisses t'approprier même de cette paix. En ce matin, la parole nous déclare que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et la parole de Dieu, nous le savons, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Cette parole qui a été envoyée, cette parole qui s'est faite chair, qui est habitée parmi nous, pour enfin nous sauver sur le bois de la croix. En ce matin, nous allons rien d'autre faire à part de nous lever et de célébrer le vivant pour les siècles sans fin. Le Seigneur de gloire, l'Alpha, l'Oméga, celui qui a dit que sa vie, nul ne la prend, mais c'est lui qui la donne en abondance. Nous allons nous lever là où nous sommes et célébrer ce grand maître, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Venez chanter notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi Jérusalem, danse de joie. Venez chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi Jérusalem, danse de joie. Il est venu pour nous sauver du péché. Exulte Jérusalem, danse de joie. Oui, par sa mort, tous nous sommes libérés. Exulte Jérusalem, danse de joie. Alors venez, venez chantant notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi Jérusalem, danse de joie. Oui, tous ensemble rejetons notre péché. Exulte Jérusalem, danse de joie. Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés. Exulte Jérusalem, danse de joie. Venez, venez, chantons. Lui, le roi des cieux, il est venu pour sauver le Sénégal et lui donner sa paix. Exulte pour ton roi Jérusalem, danse de joie. Venez chantons notre Dieu, lui le roi des nations. Il est venu pour sauver toutes nos familles et nous donner la paix.
Alors exulte pour ton roi, oui Sénégal, danse de joie. Le roi de gloire nous a donné le salut, exulte Jérusalem, danse de joie. Sa majesté, nous pouvons le contempler, exulte Jérusalem, danse de joie. Dieu parmi nous, c'est Jésus Emmanuel, exulte Jérusalem, danse de joie. Par son esprit, il est au milieu de nous, exulte Jérusalem, danse de joie. Venez chantons, oui le roi des cieux, il est venu pour, alléluia. Merci Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus. Chante, allez, allez, chante, allez, allez, chante, allez, allez, chante, allez, allez, nous avons Emmanuel, nous avons le Sauveur. Nous avons sa puissance, nous célébrons Jésus, nous célébrons Emmanuel, nous célébrons le vivant, nous célébrons le conquérant, nous magnifions Jésus, nous magnifions le roi de gloire, nous magnifions le Saint des Saints, nous magnifions le ressuscité, nous honorons Jésus, nous magnifions le roi des nations, nous célébrons sa majesté. Parce qu'il a tant fait pour nous, alors chante, allez. Je dis chante, allez. Chante, allez. Chante, allez. Chante, allez. Chante, alléluia. Chante, alléluia. Chante, alléluia. Et sois dans la joie. Sois dans l'allégresse. Sois dans la paix. Car Jésus te l'a donné, sois dans la paix, sois dans l'allégresse, sois dans l'amour. Alléluia Jésus, merci, merci, merci Seigneur Jésus, merci 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 Jésus pour tout. Bien-aimé, demeure dans cette action de grâce et dans cette louange. Demeure dans cette louange tout au long de ta journée et tout au long de ta vie. Tout au long de ta vie. Demeure dans la louange. Demeure dans la louange. Saint Augustin nous dit que notre exercice ici-bas doit être la louange de Dieu. Car notre bonheur dans l'éternité, ce sera la louange de Dieu. Tout donner à la louange, tel est le sens de notre Alléluia. Bien chanté Dieu. Alléluia. Alléluia. Je te souhaite de passer une excellente journée dans la paix et dans la joie de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.